Hello, c'est Gonzague, je suis avec Nicolas aujourd'hui. Nicolas qui a une BlackBerry Playbook. Nicolas, t'as acheté ça où? Alors sur eBay, Angleterre, donc pas de frais de douane, Ouais. un prix tout à fait correct, 430 euros. Pour la version 16 Go. 16 gigas, Ok. voilà, livré en France, Et alors, t'en es trois plutôt jours. content? Bah écoute, donc ce qu'on en parlait tout à l'heure, une très bonne base, Ouais. matériel entre autres, Donc c'est quoi? software, Ça des... fait quelle taille? Ça fait 7 pouces? Alors ça c'est du 7 pouces, Ouais. c'est un format quasi idéal pour moi. L'écran est beau, hein? L'écran est superbe, le rendu est très très bon, l'OS est très fluide. Ouais. Il y a une très très bonne base sur l'ensemble, c'est vraiment agréable à utiliser et voilà, en termes de format, si tu veux, tu peux taper à deux doigts comme ça, Avec etc. les à deux mains, c'est ça? Et à deux doigts, du coup. Oui, voilà. Mais ça marche plutôt bien dans l'ensemble, Ouais, quoi, c'est hein. C'est très fin, tu peux y aller, plutôt voilà. fin. C'est assez lourd finalement, J'ai ça a l'air très une léger, mise au point mais... qui fait chier, mais. Ah, voilà. Donc là, Puis tu as là. le micro USB chargement Ouais. pour mettre les données, etc. Ça, c'est le mini HDMI. Ouais. Pour relier sur une télé, alors qui n'est pas fourni. Ah, Hein, c'est pas l'inverse? C'est pas le HDMI? Le USB, ça c'est. Ouais. Bon, c'est pas très grave, c'est du On s'en détail. fout, Une voilà. petite base pour le chargement. Ça, je suppose que c'est pour les docks. Ouais, pour un dock Voilà. télé ou un truc qui n'est pas forcément encore sorti. C'est ça, peut-être chargement, enfin, j'en Ouais, sais rien. ok. Donc là, bouton power. Après, ça, c'est les boutons BlackBerry classiques, hein, play, pause, Ouais. volume, etc. Donc ça permet, quand tu laisses appuyer, de passer à la chanson suivante. Donc je Mmh. mets de la musique aussi. Bundle assez cheap en fait, hein, finalement, tu as juste le truc qui est bien, c'est que tu as Donc quand tu l'as même. acheté, tu as eu la pochette, ça c'est quand même Voilà, pas mal parce tu as que la pochette de transport, Apple il t'envoie chier, hein, tu voilà, dois c'est acheter 30 euros au minimum. c'est un truc en plus. Donc tu as la petite pochette quand même qui est fournie, le câble USB, la prise de chargement et la petite lingette pour nettoyer. Donc Ah, oh, c'est mignon, d'accord. voilà, c'est assez limité, mais finalement, bah, ce qui manque à la limite, voilà, c'est juste le truc HDMI Ok. si tu veux connecter. Mais bon, bah, l'objet est assez beau quand même, Ouais, hein, c'est classe, hein. la Et la finition est texture est propre, sympa. c'est soft, Ouais. c'est très fin, enfin voilà, là tu as la prise casque. Mmh. Dans l'ensemble, assez sympa quand même, hein. D'accord. Donc plutôt une bonne base hardware à la base, très content. Le format, en fait, moi je m'attendais à un truc un peu plus gros des vidéos que j'avais Ouais. vues. C'est quand même un petit objet qui tient bien en Ouais, main, voilà, c'est c'est agréable. compact, ça fait quasiment la moitié de la taille d'un iPad. Ouais, ça doit être ça. Enfin... J'exagère un peu, mais la perception donne ce sentiment. Et alors, tu l'utilises avec ton BlackBerry. Alors voilà, aujourd'hui il faut savoir que si t'as pas de BlackBerry, ça a quasiment aucun intérêt. Pas de Ouais. client mail natif. Pas d'agenda, rien. Donc Ça, c'est c'est. censé sortir en juin-juillet a Ouais, mais c'est priori. toujours du sensé, donc on n'est pas Voilà. trop dans le. Donc après, est-ce que ça va marcher après derrière? On ne sait pas encore vraiment. Voilà. Ok. Donc au niveau de la base, le truc qui est vraiment très très intéressant, où ils ont beaucoup innové, c'est les seuls à le faire, c'est ce qu'ils appellent les gestures. Les Donc mouvements, ouais. Ils ont voilà. un peu comme Palm avait fait des choses assez sympas comme ça, C'est parce que ça. par exemple, quand tu quittais une appli, tu la jetais vers le haut et ça la quittait. Ben en Donc là, c'est fait, un peu différent, mais c'est. ils ont récupéré beaucoup de tout ce que fait Palm qui est très Mmh. intéressant. Donc les gestures en question, donc si tu lances des applis, tu as... Tu fais ça comme ça, voilà, la météo à Paris. Voilà, donc le truc très intéressant, c'est comme Palm, hein, d'ailleurs, la Donc en même fait, chose. tu appuies en dehors de la zone d'écran et tu montes. Voilà, tout ça en fait va te Et servir tactile, le et tour de tactile. l'écran est tactile, ouais. Donc si tu lances plusieurs applis en même temps, Un navigateur comme ça, internet, voilà. voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est ça te permet d'avoir le carrousel Donc, d'appli. ok. Si tu fais sur les côtés, bah là tu passes d'une appli à une autre directement. Le coin en haut, celui-là, il va t'amener les notifications directement. D'accord. Quand tu passes de bas en haut, ça c'est le menu directement des De applis. l'appli. Ah, c'est joli, hein, ça c'est pas mal foutu. Voilà, donc ça c'est le menu spécifique à l'appli. Mmh. Donc ça, voilà, c'est pour passer d'un truc à l'autre. Ah oui, et sinon il y a le clavier aussi, comme ça, que tu D'accord. amènes Ah, c'est pas mal, hein. avec le coin Et directement. quand tu l'as allumé pour la première fois, il y avait un petit tutoriel qui t'expliquait tous ces gestes ou Oui, t'as je dû. crois que tu l'as. Bah moi, je savais à peu près comment ça marchait, Ouais, donc t'avais déjà regardé toutes les vidéos sur Internet, donc du coup. voilà, j'avais un peu suivi le truc, donc je savais Tu l'as directement. possédé par procuration. Un peu, un Ok. peu. Non, j'avoue, le produit Non, les m'intéressait, gestes, c'est donc pas mal. Hein. Franchement, les gestes, ouais. c'est une bonne. Bah, c'est assez intelligent parce que cette zone morte, elle est intéressante parce que tu Tu la l'utilises pour tiens. te Et tenir t'as aussi donc des la... haut-parleurs de chaque côté, c'est ça, hein? Ça, c'est Voilà, les tu fais un haut-parleurs gauche-droite. haut-parleur. Voilà, donc on va mettre un peu de musique peut-être. Hop. De façon générale, elle est quand même assez réactive. Oui. Non, je crois que c'est du dual-core 1 GHz. Mmh, c'est Enfin, ça, ouais. donc c'est quand même assez béton.
Voilà, et donc après, bah, tu as la zone de notification, ouais, qui va te permettre de passer un truc. Mais à tout l'autre, comme tu peux du coup le faire ici. Voilà, et bah, comme BlackBerry, c'est ça qui est bien, c'est que si t'es addict, voilà, tu retrouves tes raccourcis aussi. Ouais. Voilà, donc grossièrement, c'est ça. Donc, alors, le truc qui est vraiment très intéressant avec la Playbook, mm-hmm, le fait que la Playbook, c'est effectivement utiliser après le bridge avec ton téléphone. Donc, tu connectes en Bluetooth. Là, tu fais un pont, parce que bridge, ça veut dire pont, en Bluetooth, ton téléphone à ta tablette. Donc là, tu as une petite appli que tu installes, alors ouais, sur OS 5, OS 6, donc ça, problème. C'est pas limité à OS 6. Voilà, et donc avec le Bluetooth, tu relis les deux. Ok. Voilà, donc là, le pont est fait entre les deux. Donc ça tourne tout seul tout le temps, il faut juste laisser activer le Bluetooth du coup en permanence sur ton téléphone. C'est ça. Et donc, tu vas dans BlackBerry Bridge. Et tu vas retrouver accès à tes messages, applis, contacts, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose comme appli. Par exemple, tu n'as pas accès à tes photos faites sur ton téléphone. Alors si, je crois que tu peux à un moment donné. Je sais plus, il faudra qu'on regarde, mais je crois qu'à un moment donné, tu peux quand même aller chercher les fichiers de ton téléphone. C'est bien. Parce qu'en fait, quand je l'avais testé, il n'y avait pas encore cette fonction. Bah, si tu veux, en fait, là aujourd'hui, on est vraiment sur du basique. Hein. Donc messages, contacts, navigateur, BBM. Ce qui serait bien. Navigateur Bridge, il récupère ce qui est ouvert sur ton téléphone pour te l'afficher là. Non, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, si tu veux, tu as deux modes. Alors on va revenir un petit peu après. Ouais. Donc tu as le Wi-Fi, donc là où tu utilises toutes donc tes apps. Là, on est en Wi-Fi pour le moment, ouais. Exactement. Tu as tout ce qui est Bridge, donc là, tu vas passer au travers de ton téléphone. D'accord. Et le navigateur bridge, en fait, ça exploite la connexion internet de ton téléphone. Il l'exploite, mais sans passer en mode modem. Et ensuite, tu as un troisième mode où tu vas utiliser ton téléphone. Ouais. Et là, par contre, c'est plus limité seulement au BlackBerry, ouais, mais tu utilises ton téléphone en fait en mode modem. D'accord. Donc là, tu vas pouvoir réutiliser toutes tes applis, etc., en mode modem. Alors que si tu le fais pas, là, il y a que le navigateur qui marchera sur le net. C'est ça. Ah oui, mais okay, par contre, du coup, ça veut dire que c'est pas a priori détecté. Comme du tethering. C'est ça. C'est ça. Ça, okay, c'est le petit côté sympa. Ça t'évite, ouais, d'avoir un deuxième abonnement et tu peux quand même naviguer. On regardera tout, d'accord, à l'heure éventuellement. Donc voilà. Si on passe, bah tu retrouves ta boîte BlackBerry après. Somme toute assez classique. Alors là, si je t'envoie un mail. Voilà. Donc on va dire. Envoie-moi un mail. Je prends mon BlackBerry. Mon BlackBerry a tendance à ramer grave en ce moment, donc ça c'est un peu chiant. J'ai toujours le petit symbole de chargement. Voilà, et j'avais un mail embrouillant pour Nicolas. Où est-ce qu'il est ce mail? Ça rame tellement, je sais pas ce qui se passe. C'est désolé. Ah non, mais là, je vais devoir formater mon téléphone. Voilà, ça c'est l'effet ralentissement dans la démonstration. On va envoyer un mail à Nicolas. L'effet Murphy. Voilà. L'effet Murphy. Donc là, quand j'envoie un mail, finalement, il va arriver sur ton téléphone. Puis après, la Playbook va détecter qu'il y a du nouveau contenu. C'est ça, alors, petite alerte. Passons sur autre chose. On est en train de surfer. Naviguer sur un super site internet. Putain, il est beau ce site. T'as vu ça? Comment il s'appelle ce mec? Waouh. Putain, attends, mais il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose. Non, tu sais d'ailleurs que je crois que tu peux appuyer dessus. Et elle s'agrandissait. À l'époque, elle s'agrandissait. Alors, j'ai peut-être enlevé ça. Mais quand on cliquait sur l'image. Ah, c'est ça. Bon, elle s'agrandit sur un écran grand. Donc peut-être, voilà, dans ce sens-là. Il faut le refaire alors. Il y a un petit JavaScript qui détecte la. Bon, ça va. Ok, bon, fail. Donc là, je t'ai envoyé un mail. Hein. Donc il ne devrait pas tarder à arriver. Jour, tu vas le recevoir, je ne me suis pas trompé d'adresse. Alors le navigateur, rapidement, puisqu'on est dessus, ça marche plutôt pas mal. Bon, il y a encore quelques. Il a l'air assez rapide, surtout en Wi-Fi. Là, je vois qu'on était en Wi-Fi. Dans l'ensemble, c'est très beau. Mm-hmm. Ça fonctionne assez bien. Alors le flash. YouTube, faut passer par l'appli dédiée, c'est d'accord, mieux parce que il y a souvent des plantages. Voilà. C'est quand même con, c'est que si tu lances une vidéo là, il va pas passer dans l'appli. Non. Ah, d'accord. Non, il manque encore quelques problèmes d'intégration, hein, clairement, voilà. Mais donc, par contre, si tu lances une musique, Justement, on va prendre un MSM là, celui que j'aimais bien. C'est le Likili. Voilà. C'est après. Tu peux appuyer sur MSM comme ça, c'est plus simple, ça va te les lister. Voilà, partage directement. Voilà. Likili. C'est parti. Donc là, tu n'as toujours pas reçu mon mail. Ouais, mais le push déconne en ce moment. C'est le push BlackBerry ou ouais, c'est. Est-ce qu'il est. Non, il n'est pas arrivé sur ton téléphone. Donc là, c'est petite appli en flash. Donc ça marche très bien. Oui. Sur des applis beaucoup plus lourdes, voilà, il y a souvent des plantages. C'est bien ton mail. Hein. Ouais, nickel. Ouais. Le son est plutôt bon. Hein. Ouais, ça va. Bon, ça dépanne quoi. Il faudrait que ça soit étanche pour pouvoir l'utiliser justement sous sa douche, comme je disais dans l'article. C'est cela, oui.
Et alors après, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs comportements d'application suivant ce qu'on veut faire. Donc c'était dans en général hein, c'est ça. Donc par défaut, les applis continuent à tourner plus ou moins derrière. En fond, sauf quand tu en mets une en plein écran. Donc ça, c'est le mode défaut. Tu peux avoir showcase, donc là c'est démonstration où là tout tourne en même temps, là c'est du full multitâche. Ouais. Et passer sur un système type Apple où tu poses l'application qui est en fond. Donc, voilà. Et t'as quoi comme autonomie en général Alors je l'ai reçu jeudi soir. Ah d'accord, donc c'est très récent. Énormément utilisé. Mais genre une charge, t'as tenu un jour, t'as tenu deux jours. À vue de nez comme ça, je te dirais 5-6 heures utilisation intensive. Ouais. Et 8-9 heures à la cool. Quoi. D'accord. Donc une journée cool. Ouais. Ça marche à peu près la journée. C'est face aux concurrents, c'est pas formidable, mais bon, ça reste honnête quand même. Donc le mail est toujours pas arrivé. Hein. Ouais, c'est fou ça. BlackBerry, vous déconnez les mecs. Bah ouais. Donc sinon quoi d'autre? Bah le bridge, donc on a effectivement on retrouve le BBM. Donc ta BBM. Alors ça, je peux essayer parce que ça doit bien marcher. Ouais. Ça, on va le recevoir. Si je lance BBM et que je parle. Nicolas ici, donc ici test. Alors il va te faire une notification aussi, hein? Ouais. Je suppose. Je pense. Alors ça part, ça sonne sur le téléphone et puis après ça va passer sur la tablette, c'est ça? Ou pas. Écoute, je ne sais pas. Non mais écoute, visiblement on n'a pas de notification. Ah, je la vois en haut, ok. Oh là là, bon. ça, il t'en met une, mais quand tu appuies dessus, il te dit no new notification. Okay. D'accord. Bon, voilà. Donc, et quand tu appuies sur l'icône, tu peux pas lancer l'appli depuis. Ben non, je sais pas. Non, oh là là. Donc, ce qu'on disait, voilà, c'est qu'il y a quand même des gros soucis. Il y a pas mal de. Au niveau d'ergonomie, il y a quand même des choses pas logiques. Parce que, par exemple, tout à l'heure, tu m'as montré que quand tu supprimais un. oui. Ok, donc voilà. Ça va, on voit rien. Ok, donc là tu me réponds et à quelle vitesse je vais recevoir la réponse. Tac tac, ça charge ici. Ouais, okay. Ok. Et alors là, moi donc, je. Ça presque marche. Attends, bouge pas, quitte pas. Ça va vite quand même. Hein. Ça va. Ok. Ça voilà, va, ça donc on a des gros problèmes d'intégration sur certains trucs, beaucoup de bugs encore. Ouais, par exemple, tout à l'heure, tu m'as montré un truc sur le mail qui est un peu juste pas logique, c'est que tu as appuyé sur supprimer. Est-ce que tu as encore tes mails de lancer? Oui. Tu as appuyé sur supprimer là. Enfin, c'est pas hyper, c'est pas que ce soit pas logique, mais d'accord. Bon, un autre, celui-là. T'as appuyé sur supprimer et ça te met le message là, alors qu'en fait, si on avait voulu te permettre d'utiliser avec une main, il aurait fallu mettre le bouton dans la zone de. C'est ça. Bon, là, c'est quasiment une version développeur en fait. Hein. Ouais. Là, et c'est un peu on est en bêta test parce que tu te rends compte, tu fais payer ça à des clients et tu leur fais tester un produit qui est pas fini, un peu comme Nokia l'a fait pendant assez longtemps sur. Voilà. Sur des produits. Donc, je pense qu'ils ont 2-3 mois pour vraiment rectifier le tir, hein, parce que arriver en France avant que la concurrence continue à lancer ses tablettes, c'est déjà Android, iPad et compagnie. C'est ça. T'as du monde en face. Hein. T'as HP donc, ils ont vraiment une vraie idée. Hein. Il y a une bonne base. Ok. Le bridge, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui serait bien, par exemple, c'est que demain dans le bridge, ils t'amènent tout ce qui est. Alors, tiens, on va regarder sur le téléphone. Qui t'amène tout ce qui est, par exemple. Merde, hop, t'en bouges pas. Tu vas y arriver. Google Talk, etc. Toutes les applis qui sont intégrées aujourd'hui, en fait, tu vois. Qu'on puisse permettre aux développeurs, dans leur appli, d'intégrer une sorte de composante ou de traducteur écran Playbook. Voilà. Qui ferait que tu pourrais retrouver les données sur le Playbook. Hein. Un format d'affichage. Parce que tout l'intérêt, finalement, c'est que avec le bridge, tes données restent sur le téléphone. Oui, tu laisses le téléphone dans ta poche, sur machin. Le téléphone. Et en fait, la tablette ne devient que l'extension. Grand écran. Voilà. C'est le bras du téléphone. Donc, la base est là, ça marche à peu près, pas encore vraiment. Ouais. L'idée est très bonne. Maintenant, il faut l'amener vraiment. Il faut voilà, amener un vrai. Il faut aussi qu'elle existe dans un mode autonome pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter un BlackBerry et tout aussi, un tas de. D'accord. Alors, je ne sais plus combien de temps on a droit de mettre des vidéos sur YouTube parce que là, on est à 14 minutes. Donc, ça va tout tuer, je crois. Quand même. Alors, peut-être montrer une vidéo rapidement. Très rapidement, voilà. T'as 40 secondes. Allez, c'est parti. Je le stresse un peu. Qualité d'écran très bonne. Ouais. Surtout vidéos... sur la vidéo de démo, là, elle est dingue. Parce que le Snatch en français, c'est très moche. Ouais, ça va. Ouais. Et là, c'est impressionnant. Voilà. Alors, on voit aussi les traces de doigts, ça c'est très impressionnant. Traces de doigts HD. Mais ça, alors on voit pas aussi bien ce.
bien sûr qu'en vrai, mais l'image est très impressionnante, je témoigne. Voilà, c'est beau, c'est fluide, vous pouvez y aller, passer d'un truc à l'autre. Écoute, on n'a plus que 4 secondes, 6 secondes. Nicolas, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Allez, ciao.